samedi. Il est 9h et on s'est réveillé un peu tard, mais c'est pas grave parce qu'hier on est rentré, il était minuit. Et aujourd'hui on va aller à Soho, la High Line, Little Island, et normalement ce soir on fait le téléphérique. Et hier on a marché, mais marché vraiment. On a fait 20 km à pied, c'est énorme. Ici le matin, surtout en semaine, genre du lundi au vendredi, il y a beaucoup de... Enfin, presque tout le monde a son café à la main. Là, il est pas très tôt, mais quand il est genre 8h, 7-8h, les gens ils vont au travail et ils ont tous leur café à la main, leur Starbucks, c'est trop rigolo. On vient de passer devant des gens, genre une ribambelle. Il y avait sur tout le long d'un bâtiment, il y avait des gens, des sans-abri en fait. Et c'est horrible, enfin, j'ai pas très bien compris. C'est trop drôle. Il y a de l'eau, genre c'est de l'eau gratuite et les gens ils viennent, ils servent. Enfin, trop stylé. Mais en fait j'arrive pas à savoir si c'est le vaisselle ou si c'est l'Hudson Yard. J'ai pas compris. Du coup j'ai vérifié si c'était le vaisselle et pas l'Hudson Yard. Je pense que l'Hudson Yard c'est genre le quartier. C'est vraiment hyper stylé parce que les bâtiments ils sont hyper grands. Vraiment, j'adore. Du coup là on va à la High Line. C'est une ancienne route de chemin de fer qui a été réhabilitée. Du coup normalement c'est joli à voir. Là-bas, il y a des enfants avec leurs parents qui font de la musique. C'est trop rigolo. Bon, du coup, on a mangé au Chelsea Market. Je crois que j'ai oublié de filmer. Et là, on est dans le métro et on va vers Soho. Voilà. Et c'était très bon, on a mangé la pizza. Chelsea Market, c'est genre un marché du coup, mais à l'intérieur, et c'était très joli. Je crois que j'ai pris des photos, je sais pas. On est à Soho et les bâtiments ils sont trop jolis. La boutique Nike, c'est immense. On est retourné à Levain Bakery parce que c'était trop froid de goûter. Et là, on va à Washington Square Garden. Là, on est dans le Washington Square. Il y a une petite fontaine. Il y a l'Arc de Triomphe aussi, c'est trop stylé. Un peu what the fuck, il y a que des gens qui font du skate et qui se crèvent la gueule par terre et puis ça sent la... La meuf elle vendait des bougies en forme de pénis et... Ok, là il y a un mec qui est en train d'apprivoiser des pigeons, spectacle de pigeons, c'est... Je cherche même plus à comprendre. On passe devant la fac de mes rêves. C'est NYU, c'est genre c'est immense, il y a des bâtiments partout. C'est vraiment rien que le nom et tout. En plus c'est violet. C'est incroyable. Je veux dire le logo il est violet. Je trouve ça trop stylé. Là on est dans Greenwich Village.
commence à arriver dedans. Du coup, c'est des petites maisons et il y a des petits escaliers, tout ça fait penser un peu à Notting Hill à Londres. J'aime trop, c'est trop mignon. On n'est pas tout à fait encore dans la rue, mais quand on va arriver dans la rue, ce sera encore mieux. A few moments later. Énormément de gens et surtout au début du pont de Brooklyn il y a des stands à boui-boui de plein de trucs, genre je trouve ça casse la magie des trucs, en fait c'est grave dommage. Parasol là, et du coup, avec tous les parasols, on sera là à la plage. Là, c'est vraiment un délire. Hein. Ice cold water, $1. Alors, lui, c'est un délire. Le mec, il a carrément mis une bande qu'il répète en boucle toute la journée. Ça doit être. C'est fatigant, genre pour le mec. Et les gens. Voilà. Les gens, ils crient comme des malades pour vendre leur truc. Hein. C'est vraiment. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely leave from. Bon, du coup, on a fait des petits achats sur Times Square. J'ai pris un pull avec marqué New York dessus. Et là, on va rentrer à l'hôtel. Et après, on retourne au téléphérique, en gros, demain, pour aller sur une île. J'aimerais bien y aller pour coucher du soleil parce qu'apparemment, c'est beau. Et du coup, ça fait aller jusqu'à Roosevelt Island, qui est. Je sais pas à quoi ça ressemble, mais j'espère que ce sera beau. En tout cas, apparemment, le téléphérique, c'est une belle expérience. Du coup, j'ai hâte d'y être. Ici, leur clim, ils la mettent à fond. Genre, il fait trop froid, vraiment. En plus, ils climatisent genre des espaces immenses parce que souvent, les pièces, elles sont vides, mais les plafonds, ils sont super hauts. Et genre, souvent, c'est ça dans les magasins et il fait hyper froid. Enfin, tout, c'est trop bizarre. C'est mon avant-dernier soir à New York puisqu'on part demain après-midi. Je suis trop triste. Je suis trop, trop triste. Visite de l'île, c'est très mignon. On voit le summit là-bas, lui là-bas, c'est là où on était hier. Trop beau. C'était mignon, mais j'avoue, c'était pas non plus exceptionnel. Mon père il voulait pas y aller au début et il disait ouais, non, ça va pas être bien et tout, mais en fait. C'est beau, genre on voit Manhattan de nuit, enfin au coucher du soleil et tout, mais c'est pas exceptionnel en effet. Je pensais que ça allait être mieux, mais c'est parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le truc et du coup on était beaucoup serrés et tout, c'était pas ouf. Mais là peut-être qu'il y aura moins de monde vu qu'il est tard. J'espère qu'il y aura moins de monde. C'est vraiment trop joli avec les lumières et tout. Après on est un peu pas de beauté, mais franchement.
pense que genre vers là-bas, il y a plus de bâtiments plus hauts, mais là c'est quand même très joli. C'était vraiment pas ouf. Les gens ils criaient et tout, ils se sont précipités là pour avoir une bonne place. C'est vraiment pas ouf du tout même. Après la piscine elle a été mimi et tout. Aujourd'hui j'ai fait beaucoup de vidéos et en fait c'est parce que par rapport à mon espace de stockage, au début du voyage j'en avais pas et là j'en ai plein, je suis heureuse pourquoi. En fait j'arrive pas à commencer une vidéo, enfin genre à commencer un vlog et le terminer. Déjà, je tiens à m'excuser parce que je sais que ça va être comme ça, mais je filme trop mal parce que déjà c'est bancal là, et surtout je parle beaucoup pour rien dire, et ben je m'excuse d'avance.